Zami famille Anouel Lakay, malgré présence en bas en Idmo FADH, c'est-à-dire Force Armée d'Haïti, Boyd et Simo. Donc d'après SPNH 17, il y a 80% dans Solino et Nazon qui presque tombé en bas contrôle. Vive ensemble. Il y a zone stratégique en tant que Carrefour Payant, Cité Marque et l'autre zone qui déjà tombé en bas main coalition Vive Ensemble. Donc population s'est courir qui était zone pour yo sauver pour yo. Donc SPNH 17 qui c'est premier syndicat dans la police là dit payant prend dans un complot. Un complot pour livrer by bandi yo. Donc li mande pour toute autorité qui pas utile pour yo démissionner. Mais qui sa yon autorité qui utile, qui compétent, zami famille nou yo? Donc yon dirigeant politique en compétence, c'est yon moun qui protège la vie, bien pepli, ensemble ak intérêt li face ak voisin li yo. Li pape devant problème pays li, li fait proposition intelligent et puis li exécute politique qui approprié. Mais pas bon ici, tant zami famille nou yo, t'assemble notion sa li pa existe. Il y a un expert en sécurité qui déclarait que pays États-Unis donc les complices dans ça que Haïti a pas vivre là. Jean que pays a descend dans l'enfer, il dit que États-Unis pas innocent. Nous va faire autant d'experts ça avec en pile attention. Mais avant, pendant que on a parlé de États-Unis qui a 9 jours des élections yo, eh bien d'après dernier sondage que ABC News avec AP SOS mettez d'ailleurs en dernière minute, Kamala Harris a passé devant à 51% par rapport à ancien président Donald Trump à 47%. Dans le sondage avant, il était très serré, 47% à 47%, c'est comme ça que le sondage yo te montré intérêt vote yo. Eh bien, d'après dernier sondage ça, Kamala Harris donc font passer devant à 51%. Mais nous pouvons aller plus loin pour nous dire aux amis familles nous yo gagné professeur université Alan Leachman que y aurait les Nostradamus dans sondage électoral présidentiel États-Unis qui était prédit avec précision 10 élections présidentielles sorties 1984 les prévoit pour élection 2024 yo. Donc c'est Kamala Harris qui après président malgré Jean sondage aurait été très serré. Li toujours kembe position li, li rele méthode sa 13 clés pour la Maison Blanche. Yon système li développé ak académicien russe Vladimir Kalis Brock nan l'année 1981. Li déclaré malgré que sondage yo rete serré entre Kamala Harris ak Donald Trump, Leachman rete fidèle ak prédiction li que démocrate yo ap gagné la Maison Blanche nan mois novembre kap avini la. Donc c'est yon bonne nouvelle pour parti démocrate la, pour tout moun kap supporte Kamala Harris. Donc prédiction mwen yo pas changé. Leachman te déclaré ça sur chaîne YouTube li. Eh bien après que Leachman fin et fait prédiction ça yo, faut que nous dire que les jeunes ont paquet de bon gros mots. Monsieur dit c'est première fois il fait expérience ça. Les jeunes en pile menace, yo même menacé la vie famille. Monsieur dit la vie famille vraiment en danger après que il fait prédiction ça yo. Donc moi souvent fait prédiction moi yo avec précision même content sondage yo. Li basé sur 160 années donc en précédent. C'est comme ça qu'il toujours fait et prédiction li yo. Donc Leachman reconnaît que cependant que toujours gagne une possibilité que l'état capable tromper. Donc c'est prédiction que li fait. Donc il c'est humain qui a trompé. Il va connaître que histoire lui-même n'y a changé. Professeur historien Alan Leachman a déclaré prédiction li yo pour yon victoire Harris en toujours et Kembe. Il dit clé yo très solide. Toujours gen possibilité pour yon bagay qui tellement cataclysmique ak inattendu capable changer donné histoire. Mwen ta presevoir en pile menace, en pile gros mot qui grossier, violent, menaçant et puis pile loin sécurité ak sécurité famille menacé, zami famille Anouel Lakay Jean que nous so di. C'est ça que professeur lui-même li avancé. Li dit que gen 8
dans 13 cléo actuellement là bail réponse qui vrai. Donc ça qui suggéré une victoire Kamala Harris pour yon 4 années encore pour pouvoir démocrate là. Donc la politique étrangère yo très compliqué. Li ka changé donné yo, c'est ça que professeur Alan Lichtman déclaré zamin yo. Il dit que administration Biden nan li engagé en pile dans la guerre Gaza qui c'est un désastre humanitaire sans aucun fin. Il dit même si que clé ça ben politique étrangère ta vinn fort, ça ta le dit que gen seulement 5 clés négatifs. Eh bien 5 clés négatifs ça yo pas assez pour Donald Trump reprendre la Maison Blanche. C'est ça que académicien donc il t'a défendre méthode li ak force qui examiner 13 facteurs tant qu'opposition parti président nan chambre député yo santé économique locale n'importe un dossier scandale trouble social ou soit désastre dans politique étrangère yo donc pendant mandat yo il dit Charis Rivalio donc pour décider victoire côté chaque catégorie recevoir yon note vrai ou bien yon note qui faux. Donc professeur avancé, il dit prédiction li yo te passé testant indicateur moyen yo toujours te gen raison. Clé yo très objectif. Donc Lichtman te insisté que méthode li yo ak prédiction li yo sans parti pris. Li fait sondage que li correctement prédit que président qui pi conservateur donc nan parti républicain li fait référence à Ronald Reagan qui était élu donc en deuxième fois dans l'année 1984 avec Donald Trump en 2016. C'est-à-dire que Alan Lichtman li fait 10 donc prédiction déjà. Il était prédit que Ronald Reagan en 1984 après un deuxième mandat li. Donc il était prédit Barack Obama, il était prédit donc président Bush et tout, il était prédit Donald Trump face à Hillary Clinton zanmi fami nou yo. Et bien pour année 2024 yo là, il prédit que c'est Kamala Harris qui gagne. Donc c'est Kamala Harris qui a pas gagné élection 2024. Eh bien 2024 là nous allons regarder comment ça va lier donc amis et famille nous. Donc est-ce que temps pas changer donc côté méthode lien qui c'est 13 clés pour la Maison Blanche, il dit que il gagne 8 indicateurs sérieux donc qui montrer c'est Kamala Harris donc capable gagner élection. Nous te promettons que nous allons faire autant de expert en sécurité, ancien colonel Imre Ribi, donc qui longe doit être les sous américains yo qui complice en descend dans l'enfer pays d'Haïti côté que pays livré en bas gang. Donc espionnage 17 dit que c'est un complot pour livrer Haïti en bas main gang yo. Donc entendez et ce qui ont réaction pas oublier quitter li en bas commentaire. Nous espérons amélioration situation et sécurité là, mais nous voyons que nous gagnons droit avec une démonstration de force et gagnant. Comment expliquer ça? Bon, si nous espérons amélioration de la situation sécuritaire, c'est peut-être débattement que nous ça nous a aimé et arrivé que nous avons espéré arriver, mais pas que aucune condition pratique pour nous atteindre un tel objectif. Moi-même, je crois que j'ai deux groupes monde qui sont face à face. J'ai un groupe qui est très conscient de côté arrivé et qui risque que courir face à un état normal. Il y a organisé pour capable renforcer eux. Et j'ai une prise beaucoup plus importante pour capable créer des conditions incontournables pour les potentielles négociations. Et dans l'autre groupe monde, vous avez l'impression qu'il y a des préoccupations qui sont en tête d'État, mais qui ont d'autres préoccupations. Des préoccupations existentielles, des préoccupations de pouvoir imaginaire, et peut-être des projets politiques
qui dans tête yo qui t'a paré pour profiter de situation de chaos qui est là. Et il est évident que mon qui dans gouvernement yo et moi pas tendre ni pas ouais dans entourage yo qui a capacité pour aborder un tel problème. Et sur le plan conceptuel, restant les conditions de réalisation et des moyens pour capter le dispositif humain et matériel pour faire faute et pour faire face à un problème qui est là. Donc, dans la réalité de la chose, il faut nous bien résoudre les mieux armés, les mieux convaincus, les mieux organisés, ce sont les bandits. Donc, ça qui a privé là, c'est voulu et ça t'a inscrit dans le cadre de du projet pour faire situation détériorée même. Bon, et moi, je crois que initialement, il y a des gens qui ont des désirs politiques, je te crois qu'ils étaient transités par route ça. Cela veut dire que utiliser les bandits comme un tapis pour être capable de passer pour atteindre l'objectif personnel. Mais la situation est extrêmement évoluée et il y a un fait indéniable. Les gens qui ont avec des armes qui ont marché pour les actions, ce sont des instruments qui dans des mains extrêmement puissantes, extrêmement organisées et très techniques. Parce que bagaille qui était organisé depuis environ 3 ans dans la capitale, là, surtout à l'arrivée du docteur Ariel Henry et au pouvoir, c'était un bagaille que des gens qui étaient bandits, qui étaient objectifs par le fond de la cour, font comme par un niveau pour le passer. Donc il y a une structure qui pensait lui. Et moi, convaincu que l'international là, bien au courant de typologie Mounsayo, tant du point de vue humain que du point de vue technique. Et c'est une raison qui expliquait que je toujours pris une décision pour vous venir exposer à sa capacité. Dans un deuxième temps, il y a une faire une opération, le changement de gouvernement fait là, côté je fais une affirmation du terrain. Même quoi de plus en plus, mon qui te comprend, tu as utilisé bandio, qu'on y a une situation de bandio qui a utilisé. Maintenant, pour moi-même, il y a une inversion de situation. Et toute bagaille nous est là, pour moi, il est inscrit dans un plan beaucoup plus vaste. Et toute souffrance population a subi là, c'est un écran de fumée sur des activités présentes et des activités futures. Qui vient pour eux avec de gros l'argent que Haïti gagne, mais il n'a pas conscience qu'il gagne, il n'a pas continué à faire pour le compter. Il gagne de gros manito qui continue à mettre pression sur la population hein, et pour des raisons ultérieures. Par exemple, Bagay qui a fait pour prise en charge capitale là, depuis Extrême Pointe et Delma pour traverser. Et toute zone là, lui, pour arriver dans le Cafoufé, etc., ce ne sont pas des activités et qui inscrivent dans le cadre d'un banditisme. Parce que, le monde qui a posé action, c'est le cap plan territoire, ça a pour répéter l'ancien ministre. Et qui ça a pas avec eux? Qui ça a pas avec eux? Sont plus le monde des hérités qui est là, sont plus le monde qui a chassé pour être capable de faire évacuer l'espace là. Maintenant, si vous évacuez l'espace là, vous pouvez l'occuper. Non. Donc, il évacue pour d'autres bras, d'autres cerveaux, d'autres stress. Au fait, on a décrit nous là un jeu macabre. Et nous, la population est victime en pile. Pour sonder, c'est plus de 100 morts. Et c'est bilan Nations Unies, et des organisations et droits humains, société civile et Banoutou. Et qu'on y est là. Ou moun ou pa gen bilan pour ça qui a passé Solino Delma 24 là cependant information que nous arrivé joindre c'est que gen des bandits ou paraître
Bon, l'homme dit qu'il y a des bandits, mais il y a aussi un zak qui a fait, il y a paraître, il y a tiré tout le monde qui était dehors, sac mouri, il y a boule caille et mounio, il y a demandé aide. Dans un premier temps, nous tendons, nous ouais, sous réseaux sociaux, des groupes d'individus armés qui sont censés apporter Solino pour dire nous, oui, il prend Solino et il y a chanté et la police dit, il même, il reprend et contrôle. Nous, par contre, qui est pour nous croire dans le bagage, mais ça qui est sûr là, c'est que Gagné est en pile victime au niveau de Solino Mounio et il a souffri en pile. Mais pendant, ou nous sommes capables de dire pas Gagné volonté pour les gens et jeudi, en tout cas depuis et quelques jours, quelques semaines que bandits a marché sous des mêmes populations, que ce soit au niveau de l'Artibonite ou bien dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Mais ça ne capable comprendre de discours. On prend discours et Premier ministre Gary Conille par exemple et hier et primature annoncé nous ouais imagine il tal et visiter et unité spécialisée et la police sur la et quand l'armée pour lui comme si pour lui dire que il a avancé, il a fait tout ça, il est capable pour améliorer situation sécuritaire là, mais bah l'arrêter dans discours seulement. Est-ce que là c'est faux mouvement? Bon, moi-même moi crois que Dr Gary Conille est un envoyé et il est un acteur qui joue dans un film macabre qui a un objectif politique personnel. Qui n'a pas rien pour jouer avec la population. D'ailleurs, le Nabgade d'Akapto, expression physique, li, j'en ai mis les têtes. Et j'en ai marché pour côté troupio pour renforcer le programme de propagande que le mettait depuis l'arrivée au pouvoir. Et sur la base de quoi nous allons peut-être analyser ça après. Et il est un acteur. Et bagaille pour assassiner la population. D'ailleurs, cette systématisation de l'assassinat de cinq personnes qui l'a caillé, qui n'a pas de compte avec personne, qui n'a pas fait rien, et puis deux personnes qui rentrent et tuent, mettent du feu dans le caillou, c'est une politique de la terre brûlée. Or, historiquement et à travers le monde, l'offre politique de la terre brûlée, c'est pour déraciner deux mondes dans les espaces physiques et que là depuis au fait, c'est parce que espace côté est important pour l'autre groupe monde. Il y a peur aux gens pour évacuer et même leur programme Biden par exemple, son programme d'évacuation massive pour aspirer le plus de monde possible, déplacer mondio et pour organiser un espace physique génocide ou faire. C'est un bagage qui dit à un objectif qui n'a pas gagné pour voir avec Haïtiens. Ou même, Mounio, tout simplement, c'était des personnes qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et là, on regarde parallèlement à tout ça, dans ça qui est rationnel, qui est logique, que Mounio qui a gouverné, qui a fait pour eux, ou non, l'autre programme, ou non, l'autre rêve, qui a fait pouvoir à venir et à régler. Et ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ce sont des gens placé dans une position pour faire exactement ce qu'on a fait. C'est un film qui a joué. Il y a même des figurants qui ont un rôle qui est écrit, qui a exécuté. Pas de personne qui a joué dans l'inconnu. Maintenant, l'Europe, même gardé, même au niveau CPTA. Par exemple, l'on gardé depuis 4 mois. Mon yo, ouais, c'est plus guerre de position à faire pour occuper de positionnement de force et de pouvoir. Pas dans l'objectif pour faire un bagage pour la population, hein, mais pour satisfaire l'ego, ou bien prépositionner pour une histoire qui a fini et que vous connaissez très bien. Et que les gens qui ont mouru, ils n'ont pas un de picture là du tout, ils n'ont pas un de papier, ils n'ont pas écrit scénario, film, non. Il y a deux groupes, il y a 3 groupes, et groupes qui sont au pouvoir, qui est placé par le gros groupe d'intérêt étranger. D'ailleurs, vous tendez, dans la situation à pied là, vous tendez, il y a des gens qui commencent à remettre M. Sola.
qui était un agent puissant en communication politique et qui était arrivé à mettre au sérieux le monde au pouvoir. Là, tu vois, c'est un projet ça. Donc, il y a des gens qui sont dans le projet. Il y a des étrangers qui connaissent que Haïti est un pays ultra riche, qui ont le bagage au besoin, qui sont dans le projet. Et yo, tous les deux, par action ou par omission, mettent au sérieux le monde, qui ont sacrifié le monde du bon côté, yo, pour libérer des espaces, je suppose, ou même Madame Bonhomme, pour l'image qui sa zone grand rue devenue. C'est presque une forêt, et toute zone en bas de la ville là. Et ceci prend, depuis un point d'aviation, monter jusque vers Delma 18, et objectif là, c'est comme pour Solino, etc., pour qu'abriver juste un carrefour aéroport, et ensuite pour chavirer, aller, traverser, aller juste la lune. Donc c'est un projet économique, c'est un projet économique, et qui est supporté par des agents qui ont mis dans le pouvoir. Par exemple, il y a des signaux très clairs au Cap Ouest. Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, les Poukoni arriver au pouvoir en Haïti, et tout le monde qui est dans le CPT à l'unanimité voter pour lui. Il y a un bagage qui n'est pas normal. Même si il y a 6 personnes qui sont là qui ont voté, il y a 5,5 qui ont voté pour lui, mais tous les 6 ne sont pas capables de voter pour lui. Un seul coup, il y a un bagage qui sont sur le côté, un bagage qui dit. Là, il paraît comme un monde qui fait 12 ans, qui part en Haïti, qui part dans l'espace là. Les réclamer pour lui, tout ministère clé de l'État. Yo. L'autre monde qui en face, il concède lui. Yo. C'est pas, ça va quand même faire au hasard. Parce que à qui mérite, à qui pouvoir, et à qui mérite que Gary Koni gagne pendant ces 12 dernières années en Haïti, à part si nous retirer l'histoire personnelle, les affaires politiques en Haïti. L'été avec Bill Clinton dans le CIRH, qui était un gros désastre économique, de tout l'argent pays a été évacué vers la fondation de Clinton. Ensuite, ils font retour en matière politique, non prêt de faire avec le président Matéli, qui n'a pas fait 6 mois l'aller, il quitte le pays, 12 années après, il retourne et puis il remet les clés de la ville. Donc, ce ne sont pas des accidents. Maintenant, la seule chose, c'est que ces populations lui-même qui a payé conséquence, grosse stratégie grenèque, tant agent ou gain souterrain hein, que ça ou gain qui a évolué à l'étranger pour des intérêts que nous pouvons connaître. Mm-hmm. Et, mais qu'on y a là, comment camper bagay ça? Parce que faut nous camper. Faut nous ta camper. C'est pas parce que gain ou nécessité pour joindre des solutions aux problèmes en face ou, qui sont capables de réunir les conditions. Parce que pour résoudre ce genre de problème, il y a forcément l'analyse de votre réalité. Chacun face au roi, il faut qu'on bagaille qu'on cap opposé à lui. Et là où il y a un conflit, et ce conflit qui vient à la donne, on rentre dans la règle des forces proportionnelles. Cela veut dire que qui bon ou rien de monde qui gagne des âmes, qui quantité des âmes que vous gagnez, qui qualité d'âme que vous avez, qui motivation que vous avez, et qui troupe que vous avez, qu'on a proposé à lui, qui vaut 3 fois la valeur. Avec une autre réserve d'un cas. Ça, c'est une approche technique là. Maintenant, ce n'est pas forcément l'organe problème devant ou qu'on seule méthode pour résoudre. Par exemple, sous-près de l'histoire d'Haïti, l'énormité des forces coloniales qui étaient dans la colonie par rapport à force que nous gagnons souterrain, demander pour nous rentrer dans une stratégie qui est différente de la stratégie classique de l'alignement et de l'opposition des forces. Par exemple, c'est très clair aujourd'hui, si nous avons pensé pour nous aligner des forces proportionnelles à Jean-Michel Napoléon, organiser souterrain, d'Akabdou, nous avons gagné un peu de motivation personnelle, nous avons gagné en pile force parce qu'il n'y a pas rien qui est en face. Et sûr, très certainement, il y a gagné des liaisons et des contacts extrêmement puissants que même le gouvernement n'a pas qu'à gagner parce qu'il y a gagné des circuits pour approvisionner des têtes en armes et en munitions en permanence. Et ensuite, il y a gagné la stratégie de la diversion, de la diversification et du personnel. Ils ont couru un espace territorial qui est extrêmement important. Ils ont pris deux
département central BIA, le département de l'Ouest et le département de l'Antibonite, c'est pas par erreur. Il y a des calculs bien déterminés qui liés à richesse qui gagne dans la zone d'Ayo et qui liés à une pensée stratégique. Maintenant, qui ça nous cap opposé à l'Haïti? M'a pour retourner dans l'histoire d'Haïti. Oui, nous cap opposé la force, mais l'on prend tout travail qui te mène à la guerre de l'indépendance, c'est pas travail Jean-Jacques Dessalines de Vitrinia, c'est un travail souterrain et construit pendant plusieurs années que Toussaint Louverture était fait en apprentissage, en infiltration, en utilisation des renseignements, en utilisant les forces hégémoniques l'une contre l'autre, c'est tout un travail de passer pour faire. Mais ça t'a demandé que vous-même vous avez un objectif, un désir de résoudre le problème. Non. Mais il y a une méthode pour l'autre problème de vous, qui n'est pas résolu, mais vous cap stopper mal la fois là. Maintenant, est-ce que vous avez analysé les faiblesses organisationnelles, des structurations intentionnelles qui font? Par exemple, si vous analysez le lien historique, moun qui te prend décision pour te craser la mer, c'est pas une décision qui te prend l'air comme ça, non, affaire de fanatique, et que nous c'est tel groupe, nous c'est fanatique là-bas, là, soupe, nous c'est fanatique par contre. C'est un bagage qui allait beaucoup plus loin. C'est de mise en place et nous avons leur entrée dans une stratégie criminelle étrangère qui est liée à des intérêts économiques forts. Ils n'ont pas pensé en termes de moins de 20 000 combats là dans 3 mois pour nous être en bon. Ils ont pensé en termes de 15, 20, 25 ans. Et aujourd'hui, il y a une conséquence pour une série de décisions qui ont été prises 20 ans en arrière. Bon, c'est une série d'acteurs souterrains qui étaient participés dans le bagage. Même gens ça passé tout. Nous n'avons pas forcément connu dans qui ça a été. Par exemple, l'homme de M. Bandi qui l'a eu, Bandi nous connaît. Là, on a pris un temps de qui ça a été. Yo pas forcément qu'on est dans qui ça veut dire. Yo te dis que tu m'as eu la gomboule sous la route pour des créations et pour écouter à jouer. Mais qu'on y a moins sûr que vous venez rendre compte parce que yo tout ouais, y a cherché un exit. Parce que c'est eux-mêmes qui ont utilisé comme instrument. Forcément, y avait éliminé eux. Mais on a gagné de l'autre qui a venu. Donc nous, on a un travail qui est extrêmement complet, qui t'a demandé du monde qui comprend la situation. Et qui voulait aborder de manière tranquille et de manière très technique avec les potentialités qui sont les nôtres. Mais en attendant, M. Rébugon, décision qui prend une volonté au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire pour que vous pacifiez le pays, mettez les bandits, ça y est, hors d'état de nuire, et Jean Yabdia, en pile victime dans la population civile là. Jeu macabre, projet macabre que WAP décrit nous là, est-ce que force multinationale là, ils sont partis de projet, ils impliqués là-dedans, ils l'ont là, implémenté? Non, force multinationale là, c'est un élément de décoration. Il y a un monde qui connaît, ou pas, ouais, depuis plusieurs années. Chaque fois international a venu, il y a abordé des questions hein, et puis il dit mais qui proposition que il va implémenter et puis m'analyser le tout ça sont menti. C'est pas comme ça. Moi dis pas parce que moi besoin fonchel ben ou bien besoin monter ça me connaît ou bien c'est parce que bagaille dit à faire des gros référentiels techniques et l'autre référentiel technique hein, ça dit a pas capable ça. Par exemple, pour rappeler, il y a un groupe de monde qui a été Marozo, qui a été kidnappé, 18 monde, 17 Américains, 20 Canadiens parmi eux. Et puis, au plus haut niveau de l'administration américaine, Jacques Sullivan, conseiller à la sécurité nationale et à la Maison-Blanche, dit que le président Biden son un petit monde en pile et que il y a un petit monde parmi les gens, et qu'il a pris disposition pour y faire des opérations pour délivrer les gens. Et que l'opération ça a été faite par un grain de cheveux qui a tombé dans la tête. Je dis, waouh! Mais ça veut dire pas exister dans le métier qui est le métier préparer, concevoir, préparer, exécuter une opération de Mbonel dans le cadre des prises d'otages. Ça veut dire qu'on menti. Maintenant, ça vient attirer l'attention
si yon bay menti ya, c'est que menti ya, c'est une couverture pour une vérité que yon parle nous connaît. Mwen te décrit très clairement comme un bagay impossible sur le plan technique, ça yon dit ya son menti. Maintenant, le mensonge n'est jamais très brillant, très intelligent. Donc, ou est que yon te vin pompe le cinéma après pour yon te dou que moun yon te sorti, parce que yon la de te blessé ni mouri, et que yon tout te retourne dans le pays yon. Cela veut dire que la médecine me connaît, yo fait, ça que me connaît, yo fait pour faire, et ça veut dire, c'est ton parole qui dit pour couvrir, ça veut dire le faire. Et pour une bagage force multinationale que yo rentre en Haïti, c'est une bonne blague. S'il y avait de fins patriotes qui étaient capables plus d'ouverturiens que des saliniens, qui étaient capables de dire, ok, blanc a passé nous dans le tintin, ok, on monte en stratégie pour nous prendre la propre piège. Non, nous n'avons pas de cette intelligence. Nous n'avons pas permettre que la qualité de l'État arrive dans une zone où les bagages ne sont pas là. Donc, avec force multinationale, là, ou pas trouver que le secrétaire d'État, Anthony Blinken, est rentré en Haïti, il vient raconter une bêtise sonore pour dire que nous allons prendre des mesures pour transformer la force multinationale là, en force de maintien de la paix. Je me dis, il faut que nous sortions seulement. Sort net pour ta couer un bagage comme ça. Parce que historicité question, pas permettre, c'est ça le dire capable. Mais qui ça nous t'a remarqué? Deux jours après, sénateur Edgar Leblanc montait, l'a répété même bagage, l'a dit, et Blinken, c'est à l'asile, de l'Almandel, devant aux tribunes de Nations Unies, à la tribune des Nations Unies. Maintenant, qui ça vient arriver deux jours après? Sous tribune nationale, côté de demander ça, conseil de sécurité a prolongé la mission qu'il a. Mais mission qu'il a, comment comprendre, ou dit, on déployer 1000 nègres pour une situation que vous avez besoin d'engager 10 000 personnes pour résoudre le problème. Bon, je ne vais pas dire résoudre le problème. Tout a engagé 10 000 personnes pour stopper la tribulation de la population. Maintenant, vous dites, on va voir 1000. Quand on dit qu'on voit 1000 mounes, on prend charge pour voir 1000 mounes parce qu'on n'a pas de cap voir force multinationale là. Parce que son bagage qui vient à la géopolitique qui est bloqué par rapport aux intérêts de la Chine et de la Russie dans le Conseil de sécurité. Là. Maintenant, on dit qu'on voit 1000 policiers pour venir résoudre un problème qui est de nature militaire. Donc, on va une deuxième menti. Et puis, on dit qu'on prend disposition pour faire lui. Et puis, dans 1000 mounes, on dit qu'on voit 380. Et puis après, on dit comme ça, on va jouer une corde, on ne va pas venir contribuer, on ne va pas avoir, on ne va pas prendre une décision pour pas avoir. Et puis, on ne va pas dire pas avoir corde pour faire. Et puis, on ne va pas dire c'est un problème, c'est l'argent qui est discuté à travers le Congrès américain. C'est menti, c'est blague. Maintenant, le Blinken vient dit ça. Ça, il dit, c'est ton menti. Sénateur Leblanc a appuyé notre tribune des Nations Unies. Deux jours après, toutes ces forces multinationales la couette, qu'on y a chanté, il y a voué un Jamaïcain, il y a voué 150 nègres, il y a gué trois nègres capitaines. Non, il y a pas ces noms en bêtises. La force multinationale sont éléments de décoration en de toute tribulation qui a passé là, pour faire courir un bagage tout à fait. Et puis, y a le temps a passé jusqu'à ce que l'élection aux États-Unis fin faite. Et puis, quand je vais réorienter ma vie, pour aller dans la même direction, hein, avec le même acteur, même agent local, même traite local, toujours sous souffrance population lui-même. Et nous devons attendre nous, là à un autre match, si je suis capable d'exprimer comme ça, après l'élection fin faite aux États-Unis? Évidemment. Et maintenant, je vais aller dans le bagage qui est capable d'étonner, Ou on est plus dans le marché sous bagaille là, moun qui a porté un gros pansement en de situation à vivre là, et c'est pas sérieux, c'est bandit. Et on compte pour qui ça? Bandit, on a une réalité du contrôle territorial, on a une réalité du contrôle technique, on a une réalité tout, on a même entravé. Parce que, on a tout un système ben, on a pas continué à terre, on a cherché un trou pour le voir. Qui j'ai eu sa cap sorti. Maintenant, c'est eux-mêmes qui vous ont fait l'autre calcul.
Et puis pour yon tapou ton grain de sable dans la machine que met banditisme global là. Parce que moi, nous dépouillons gros des autres comme ça dans le pays, garder, chercher côté mouvement économique là. Pas jamais gen kawo qui organise dans le pays, c'est moun ouè kapè kawo qui met kawo. Il y a de gros intérêts économiques ailleurs, par exemple, prenez toutes les autres affaires là. Si vous avez contrôlé les circuits qui lient Haïti à la Jamaïque, à la Colombie, dans le trafic de drogue international, par exemple, attention, parce que vous avez fait attention ailleurs. Et le gros flux d'argent qui a fait, dans tout le trafic, kidnapping, etc., et par qui circuit, ils ont évacué. Maintenant, les gros investissements qui viennent pour le faire. Par exemple, où est toute zone depuis Pointe et Chancel là, du Rimoto, où est évacué toute zone ça, de la mer, arrivé jusqu'à Matissan. Ton gros projet international lié, Captain Bourguin installé, le voyage de Forex qui peut finir établi dans toute zone. Maintenant, est-ce que nous sommes sûrs que des intelligences locales qui ont concentré sur ça? Pour être qui j'ai eu à faire un revirement de situation en un propre acteur que j'ai utilisé. Mais ça nous montre de la haute stratégie guerrière et une grosse intelligence. Bon, bien que ici, en Haïti, nous avons l'agent intelligence qui nous prend pour faire mettre dame, pour faire vol, déguisé. Donc, nous n'avons pas un niveau monde qui a une capacité pour aborder le problème ça, pour d'abord joindre une suspension, un tempo la donne. Et ensuite, vous avez commencé à bâcher vers les solutions. Et forcément, solution, in fine, une solution négociée. On approfondit ça un peu plus. Les bandits qui sont capables de débloquer la situation, camper sous terreur là. Mais ils ont mis bar là très haut. Nous avons demandé carrément il y a quelques mois, c'était Amnesty et son bagage qui semblait à faire chemin dans l'international là. Je pense à Madame Routo, par exemple, qui a fait une prière. Et ils ont dit nous avons le barbecue pour le parler avec elle. Mais qu'on y est là, au niveau de l'organisation, société civile et peut-être population, moi, que nous pas vraiment tendé sous ça, réponse c'est capable. Non, mais ça veut dire une série de moun, yo même qui fait tellement de mal à la société, à combien moun yo tué, kay moun yo pren, des moun yo lagé dans la rue, mais je dis ya. Il y a demandé nous et Amnesty sans que nous pas connaît vraiment si il y a respecté Moyo. Et moi j'ai conviction que monsieur Bandi ça les bandits intermédiaires. Le m'a prend image au chantier et Bandi ouais qui gagne Noyo que nous tout connaît Noyo qui des fois fait vidéo dans radio. Ce sont des contre-maîtres sur un chantier. Et yo gen on pile net cap brasser mortier, yo gen net cap et lever bloc, ce sont des manœuvres de timoun ou yo prend dans la rue et infrastructure a fait exprès même. Yo prend de timoun 15 16 ans. Lo regarder dernièrement image on t'a regarder dans baïa kay avec Canaan, ou c'est de timoun 10 ans. Et yo pas prend yo pas choisi au hasard. Le par exemple des forces de l'ordre ou bien le monde qui pense qu'on pense stratégique du point de vue opérationnel. Et pour vous parler de votre militaire, ça va le faire. Ou actuel, ou stupide, vous faites ça. Mais vous prenez pour ça même, pour qu'on mette au devant et choix et difficile ça. Maintenant, tout le monde ne prend rien en bagage. Mais vous êtes extrêmement actif, vous êtes aussi responsable. Que criminel tout, il a tué mon tout. C'est pour ranger, c'est pour poser une difficulté sur votre part. Ensuite, pour gagner, monsieur, que vous infiltrez dans la police, son pile n'est qu'à faire et qu'à chercher la vie, il besoin de cobre rapide pour qu'à brasser au cabal de Biden ou besoin de dans bagaille là. Ce sont des boss passants. Monsieur, où est-ce qu'on est nous? Ce sont des gourés, des contre-maîtres. Mais vrais médecins qui n'est pas eux-mêmes. Jodi, il y a. L'autre de venir avec discours Amnesty, tout bagaille ça. Et moi, je connais qu'il y a des gros efforts qu'a fait pour étudier le café pour retirer cette jeune bagaille ça. Parce que je suis conscient, il y a deux problèmes. Je suis conscient par rapport, et je dis ça tout le temps,
par rapport à l'histoire qui s'est passée devant eux avant. Je connais des gens qui ont mais des gens tel, des gens tel, et je parle encore, etc. Je connais eux-mêmes, je conjoue pour eux parler à tout. Maintenant, ils ont lié avec certains secteurs qui ont porté projet et dialogue là, projet dialogue avec Doha, et qui ont dit carrément pour eux parler amnistie, etc. C'est des projets parce qu'ils sont liés par rapport à la conscience que rien ne côté eux. Mais ils ont même tout, il y a bon gens pour éliminer, il y a éliminé quand même. Maintenant, ils ont même tout, ils pas sorti, il y a cherché qui savait ça faire pour être sorti de tête. Et moi, c'est là, et moi, dans un peu de travail, et pour avoir une sorte de conscience pour virer dans l'autre position, si on va gagner possible. Parce que ça qu'on peut analyser, possibilité ça, il faudra retourner dans l'histoire d'Haïti. Parce que les gens qui ont conduit la grande révolution à Saint-Domingue, ce n'était pas forcément les esclaves des champs, non? C'était des esclaves de maison qui étaient réunis conditions pour y'a mettre avec esclaves des champs, pour y'a cap font bagaille pour tout ce qui sorti là. Donc nous devons bagaille pour mieux s'amgaler du cap des courageux, mais le monde qui est très long. Parce que son bagage est très complexe, ou pas capable de résoudre un problème complexe avec des solutions rapides. Reste entendu que vous êtes conscient que vous avez un problème là et qu'il faut chercher une solution. On ne peut pas nous consulter ça. Tout le monde qui est dans, par exemple, dans CPC, dans Gary Kony, etc., c'est de l'autre acteur qui a réglé de l'autre bagage pour propre tête par eux. Si ça n'a pas marché, il y a peut-être parce que le vent pile l'argent déjà. Et nous connaissons l'histoire, appel l'argent qui a passé, toutes les zones où il y a passé dans ces PTA, c'est ce qu'on appelle des épiphénomènes, donc pile l'autre bail qui passe que nous ne connaissons pas. Nous avons parlé pour nous préparer, pour nous pile l'argent, qui est obligé de sauver, après que les vieux comme ça, elle met dans la même boîte que ça qui est passé avant. Qui a largué aux États-Unis, dans la structure offshore, yo, et que les États-Unis contrôlent, et ils contrôlent tout le mouvement à travers le monde. Donc ce sont des gens qui viennent voler, même pas pour tête, parce que. Là où nous prestations pour Dieu, qui ça refait? C'est là que j'ai été prendre le bloqué, qui est-ce qu'a utilisé? Quand il y a des déposés là. Donc nous avons un bagage extrêmement complexe. Si tu as demandé pour nous commencer à rentrer sous piste pour nous avoir des solutions, nous avons des gens qui conscients, qui comprennent le problème là, qui connaissent, faut nous mettre une stratégie pour stopper mal immédiat. Et ensuite, pour au fur et à mesure, nous faire un plan de 10, 15 ans pour nous, qui j'ai la sortie dans le ça. Ou bien par la négociation, ou bien par l'affrontement. Mais si nous prenons route d'affrontement, c'est très certainement là beaucoup plus long, beaucoup plus doux. Ou du mal à la colonel Rebu, qui est extrêmement dur, parlant des membres CPTO, dit que ce sont des gens qui viennent voler. M'a noté, lorsque il a été joint un arrangement avec CARICOM, et pardon, tu n'as pas joué ton bail? Non, ça va vous écouter. Ok. Et engagement, ou t'es premier monde qui t'a dit non, bagay ça, il n'y a pas besoin de marcher. Et puis, après, ou aider à l'installation, et même conseil, ou aider que, et pour bah, la fête au niveau de palais et national, et puis, gon titan, yon patan d'eau, et puis, ou vin re-afficher. Mais, c'est découvrir moun sa yo te vin volé ou bien qu'on y a mando, mais ça a passé à rebut qui gen ou connaît moun yo volé, yo vin volé et puis ou soutenu yo quand même. Écoutez, moi considère tête moi comme un médecin. Là un médecin dans l'hôpital, yo pote bali ou moun pour être humain qui blessé. Il va vraiment décider de mettre ça, son vol LTE, son bandit LTE, son criminel LTE, son commun LTE. Il y a un monde devant qui est blessé, ou elle dit, c'est pas celle. Moi, c'est un citoyen en dans pays. Moi, il y a deux mondes, moi, je suis dans ma travail ensemble avec eux depuis près de 2 ans. Nous arrivons à une option stratégique. Il y a un autre événement qui vient d'entrer, par exemple, qui m'ont dit de prévoir. Moi-même, je décide avec le docteur Ariel, il me dit qu'il y a un long trou. Je ne sais pas ni qui profondeur, ni la jette trou, ni qui boit fouiller trou, même quand on va tomber dans le trou. OK? Mais de fait, ce n'est pas
c'est pas magie me fait pour me détourner d'après rentrer non. C'est une analyse qui est liée à une lecture sociologique et psychologique et géopolitique de la politique globalement dans zone là. Effectivement tomber dans trois. Mais là tomber dans trois, gros donné qui changer. Mais la donnée a changé et que et quand ils comme dit monsieur pour réunir, ils ont un papier ba yo. Ils ont dit pour signer pour faire partie du gouvernement qui va rentrer là pas d'accord pour signer pour force multinationale là. Oui. Moi même moi dit monsieur, ils nous veulent signer pour moi mais même pas peut-être mais signer dans ça. Des rabal signer tout parce que moi connais premièrement l'irrationnel et deuxièmement c'est rentrer dans un plan que moi même moi pas connais. Maintenant, moi, je dis oh non, même ensemble avec vous. Est-ce que vous pensez que Mme Marie-Lise, si vous avez appelé Mme, je dis ok, je compte tout le bagage, je vais le délivrer à Haïti. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est un travail de fourmi qui prend du temps, qui prend des gens, qui prend des alliés, qui prend des ouvriers de toutes couleurs et de toutes natures. Maintenant, vous venez arriver, vous montez ce petit. Vous avez le mettre 9 mounades. Je dis mais mes amis, nous tout connaissons, pas qu'à passer. Ok? Les papes marchés, ils ne peuvent pas nous 4 mois pour nous tourner côté, pour nous dire ça a déraillé dans le menu. Mais ils ont décidé de le faire. C'est comme par exemple, un citoyen m'a dormi dans le cabane, et puis ils ont dit prends la télévision nationale pour le coup d'État qui fait. Moi, je suis d'accord avec le coup d'État, moi, je suis pas d'accord avec le coup d'État, mais le coup d'État, c'est ça, une situation de force en politique. Kounia, c'est pas ça, c'est un moyen que je vais gérer. C'est ça, des femmes que je vais gérer. Maintenant, le monsieur fini, il a fait une proclamation, il a fait des pétés. Maintenant, quand il a fait un plan pour aller installer cette tête, même si mes amis nous font, nous pas qu'à faire ça, si elle fait ça, nous tous allons mourir. Il n'y a pas qu'à faire comme ça. Je dis, en qui je vous ai fait. Je descends, je vais faire, qui ça me fait? Comme médecin, je vais empêcher le jour de faire ma vie. Si il y a un monde qui était dans ces pétés, il n'a plus au sommet de l'État, la présidence de la République, qui était dans le courrier, veste déchirée. Mourir, d'être blessé, etc. Monsieur, je suis un médecin. Je ne sais pas si je connais si je suis un médecin, mais si je connais que j'ai un problème, très certainement, je rentre, je fais ça qui techniquement fait trop faible, et puis je vire l'homme, et comme de fait, je vais monter le gouvernement. C'est pas rien, même pas ça, mais je vais un job. C'est pas ça, même pas ça, mais je vais position. C'est pas ça, même pas ça, mais je position. Pour toute belle théorie qui est pour vous, moi, si je me capte théorique, où est-ce que je me capte brevette? C'est eux-mêmes qui connaissent que ça a fait à pas matcher avec le monde que je suis. Ils n'ont pas même parlé de ça. Ce n'est pas le cas de l'État, non? Ce n'est pas le cas de l'État, c'est pas le cas de l'État, c'est un des gens qui sont en train de se faire. Et je au sommet, par exemple, je me dis tout le temps que vous êtes sénateur Edgar Leblanc, que vous êtes un homme ou un artisan qui était pour choisir comme. Mais est-ce que je pense que c'est un cap qui est un moment pour y aller? L'imagine qu'on joue une sinon, qui raison qu'elle s'est trahie, disposition, dans la première action, il a été le Judas de la première heure qui a mis des signatures dans en bas une résolution qui est contraire à toutes les règles que nous émettons pour aborder transition. Mais colonel Rebu, Allez-y. Ou pas qu'à dire que ou aider par exemple dans cadre sécurité pour installation et pour virer d'eau ou pas virer d'eau du tout et parce que ou gen ou impliqué dans ba la qui m'a qu'à dire là jusqu'au ou gen représentant bien content ou vini avec le cas Edgar Leblanc là et me pesé mom mais ou gen représentant dans CPTA qui en plus t'es président jusqu'à quelques jours là qui est remplacé par Leslie Voltaire malgré n'a plaigné c'est-à-dire l'autre monde qui vient vous l'avoir au chapitre d'un collectif là que Edgar Leblanc et pas jamais nous régler rien pour lui nous pas informé de ce qui a passé à note sur note et pour nous exprimer appréhension nous mais qui ça
qui s'est passé, mais nous toujours soutenu jusqu'à ce que le scandale qui vient arriver dans le conseil présidentiel là a fait et braquage et BNC qui impliquait trois moun dans le conseil présidentiel là. Là, nous affichons nous un peu plus après rapport ULCCA qui dit effectivement, monsieur Yogon Bagay pour ouais non ça, effectivement il y a acte de corruption et nous dit nous rappeler Edgar Leblanc. Edgar Leblanc lui fait quelques jours par ouais et puis Noël sorti là en dimanche bien habillé bien chelbert et moun que li pas d'accord que li pas signé dernière résolution parce que pas comprendre que moun sa yo accusé après rapport ULCCA que pour continuer et fonctionner avec eux mais nous juste pas attendre et puis li, malgré collectif la te rappel li retourner sans que li pas gain explication pour le bail moun nous juste wel dans cérémonie bien chelbert ben c'est ça m'abdou la rue madame Bodo et vous dit que nous bon naturellement l'oué et un jour dans des on l'obéit pété non quartier et bien dit fait mettre etc mais jour est dit fait après de pas jour et premier petit charbon premier petit aliment ça s'est passé non et moi je suis abdou là et moi il est très douloureux pour n'en bouche pas la tête pas dans passé pas pour m'a considérer sénateur Leblanc comme une traite à la nation haïtienne. C'est très douloureux. C'est très douloureux pour m'a penser à sénateur Leblanc comme monde qui capable rentrer en don bassin de corruption et de vol et que lui participer par action ou par omission. Et le par exemple n'a pas des affaires d'ailleurs sur antenne on t'a pas des un conseiller qui t'a parlé qui j'ai utilisé les fonds de l'intelligence. Et c'est un témoignage spontané, sincère et inconscient qui témoigne de l'inconscience des gens. Mais sénateur Leblanc, que moi-même, j'ai été contribué au IA. Je n'ai pas jamais un jour fini dans le collectif pour dire ah, monsieur, bon problème là, oui. Mais on va faire l'argent, qu'a réglé, on va faire de fonds intelligents, mais qui j'en ai eu et sorti pour utiliser. Colonel Rébu, ou même qui est habitué à faire dans l'intelligence dans le pays, qui a eu congé le Vajdal. Et puis là, ça nous tout le temps qu'on parle de nous, nous nous a dit, ok, mais qui position pour t'apprendre, pour t'affreiner ça, parce que c'est son dérive. Non, pas qu'on ne sait pas jamais parler. Nous, tout simplement, tendez. Mais ça, où il est tendé en Haïti. Les couvrir, on peut l'autre bois qu'on peut passer, qu'on ne peut pas du tout, oui, de toute nature. Donc, moi, obligé tristement, accepter et vous dit que moi contribuer c'est vrai pour papa et menti parce que moi même m'a songé jour soir nous dans une réunion pour nous faire choix pour voyer monde dans CPTA c'est moi qui ouvre bouche moi avant on me dit monsieur moi me penser monde alors avec qui on me dit ça monde qui n'ta cap voyer c'est sénateur Leblanc et moi même moi appuyé là 100% mais qui ça qui dans tête moi. Nous avons une image de sénateur Leblanc que nous tous connaissons dans la société. Nous sommes si nous vivons au côté de l'autre capel, la même type de mettre un certain frein et opposer à une série de bagages pour éviter une série de dérives. Bon, nous constater premier dérive qui fait dans ce pays, c'est lui fait la douette, la signer un bagage qui est contraire à la règle qui mettait au pouvoir. Là, il y a le monde au pouvoir, il y a le fait bagage. Avant, il y aurait si nommé. Je dis, il y a le fait, gouvernement, il y a GTA, prend, on arrête pour nommer. Mettez maintenant cette nuit-là, moi, je dis, monsieur, est-ce que nous, qui pour nous connaître, un petit, c'est lui-même qui a une naissance à papa, à la maman. Nous n'avons pas qu'un bon gouvernement qui passe trois ans pour la population passer misère, qui n'est pas bon, et puis qu'on y a ce conseil des ministres qui a prévoqué, qui peut signer ou arrêter pour nommer un instance qui peut ou passer la présidence de la République. C'était ancien colonel Imler Rebus, ami famille Noyo, donc qui est venu avec un peu la précision, qui détaillait tout point pour montrer. Et donc ça a passé de côté qui est sorti. Donc l'île longe doit être là sur États-Unis avec tout un paquet
on pas qu'être un dirigeant incompétent que nous gagnons, donc qui pas qu'à prendre décision pour peuple, donc qui pas qu'à donc appliquer politique qui vraiment intelligent, donc pour retirer donc un pays en ça que lié là. Donc SPNH 17 a demandé pour tout nèg yo démissionner et donc on est pas démissionner comme ça. Ou dites-moi qui ça que vous pensez dans un commentaire en bas vidéo. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si que vous à peine tombé sur channel ça, pas oublier abonner, peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo. Et nous saluer donc yon zami que nous croisé dans West Palm Beach dans Sam Club. Et nous saluer zami ça et puis nous saluer Marie que nous t'ai rencontré dans Fort Lauderdale. Quitte à moi-même, ou après joindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran que moi invité ou cliquer qu'on y a.